Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019. Sur ma partie perso, je vais tout vous expliquer. Donc, c'est après retour de 2 mois de tranquillité. Voilà, hein, il s'est passé beaucoup de choses pendant 2 mois, d'accord. On verra plus par hasard. Donc, on va travailler, on va s'occuper. Là, je vais tester 2-3 petits véhicules. Mais j'en ai testé un, il n'y a pas de son, donc je verrai si je trouve le même dans d'autres versions. Donc voilà, alors pourquoi on se retrouve pas sur sur la partie que je vous ai dit, d'accord, parce que normalement on devait se retrouver, je vous dis bien la map Statenbach, hein, d'accord, là on est sur The Valley of Farm, sur la partie perso, parce que il n'y a pas de son celui-là, donc voilà. Donc du coup, on devait aller sur Statenbach. Malheureusement, je dis bien malheureusement, donc pas de son. Elvis peut s'atteler. Et moi, c'est que moi, j'ai manuel attaching. Est-ce que je peux... Mais oui, mais j'ai pas le truc haut, désolé. Donc, bah, ça, je fais ça. Bah, non, il l'a pas. Donc, bah, lui. Alors, pourquoi il a les feux allumés? Ou il a voulu mettre les veilleux, j'en sais rien, ou il s'est trompé. Donc, voilà. Donc, on devait se trouver sur Statenbach 2020, mais la version PC et non pas la version console. Alors qu'est-ce qui change de la différence de la version console? C'est que le version PC, vous avez toutes les cultures, et version console, vous avez que les cultures de base. Là, il en avait rajouté sur la version PC, etc. Donc là, j'ai baissé un peu mon jeu, parce que j'ai l'habitude de jouer en 80% et tout, etc. Donc du coup, quand je suis arrivé sur la partie... ce qui était bien, c'est qu'on pouvait choisir la ferme qu'on voulait. Alors, j'ai regardé les fermes après plus tard, c'est à peu près les mêmes, mais bon. Donc du coup, j'ai voulu prendre, donc j'ai pris la première ferme par défaut, etc. et tout ça, tout ça. Donc, bim, nuit. Hein? Ouais, je vais voir un truc. Et donc du coup, bah, j'avais tout préparé, etc. Malheureusement, il y a eu des soucis. Donc on devait se trouver sur Statenbach. Enfin, c'est un jeu d'IL. Je vois ce qu'est la promotion. Donc on devait aller sur Statenbach. Donc j'avais pas prévu la partie et tout. Désolé hein, pour les bruits. Donc lui, la porte, ok. 5, la porte de gauche. 7, ouais. 8, ok. 9, d'accord. Ouais. Et après L, ça ressemble en haut, ok. Donc voilà. Merde. Ah ouais, putain, il fait comme le véhicule. Mais du temps avancé. Ouf. Je sais pas ce qu'il fait comme mode, mais je vais reculer parce que... Donc du coup, là je suis en train de tester les véhicules pour que j'ai un véhicule, je voulais changer de véhicule tout ça. Malheureusement, c'est qu'ils sont trop lents au démarrage ou machin. Du coup, là je suis en train de tester les véhicules. Ok, bon, lui s'attache. Donc voilà. Allez, avance. Donc du coup, on devait se trouver sur Statenbach 2020. J'avais préparé la partie. Alors comme je vous ai dit sur les autres vidéos, on devait avoir que du Renault. Malheureusement, il y en a eu la moitié, il y en a eu les 3/4 des Renault qui ne fonctionnaient pas. Donc du coup, j'ai tout simplement, je dis bien tout simplement, alors attendez, je suis en train de faire ça,
Voilà, il reste quoi? Voilà. Donc, tout simplement, comme le networker qui ne fonctionnait pas, je parouais avec 2-3 véhicules. D'accord? Donc, du coup, j'ai décidé de prendre des jeunes. Donc, il y avait des nouveaux 6R, il y avait le 7000, etc. Donc, voilà. Donc, la partie devait être composée de 4 trucs différents. Alors, 4, je sais pas comment vous expliquer. Mais il y avait la première activité qui était serralier, d'accord? Deuxième activité, éleveur, donc c'est les deux, hein, ça rejoint les deux. Serralier et éleveur, d'accord? Et il y avait ETA et industrie. Donc ETA et industrie étaient ensemble, donc en fait c'est les ETA qui fournissaient les industries, etc., en termes de culture, etc., tout ça. Et élevage et donc élevage et céréalier, c'était la même ferme. Donc voilà. Donc en fait, l'ETA devait travailler pour moi. Donc j'avais du matériel comme par chez moi, vous pensez, comme par chez vous. Du matériel à peu près petit, potable, etc. Sauf que la première ferme que j'ai choisie par défaut, vous avez un seul silo qui avait une petite capacité. Et vous avez eu, je me rappelle plus, un petit bâtiment de stockage. Donc j'ai dû mettre à l'extérieur, etc., etc. Donc du coup, ben, voilà. Donc du coup, j'ai dû mettre à l'extérieur. C'était un peu compliqué. J'avais déjà une ligne, j'avais de nouveaux 6R, etc. J'avais les 6000. Je crois que j'avais un 6000. Ben, j'avais du matériel maxi 200 chevaux. Je pense, je ne dis pas de conneries, mais maxi 200 chevaux, c'était potable pour une vraie ferme. L'ETA tournait en. Qu'elle tourne en quoi? Elle tournait en FEN. Ceux qui aiment les FEN. Donc il y avait le nouveau 900, le 1000. Ben, je suis obligé de prendre le 1000 parce que comme il y avait des industries, il y avait des machines avec. Donc je vais prendre la machine à peller. Je vais prendre celle qui fabrique les pellets, carrément. Elle demande de 300 chevaux. Donc il faut quand même 500 chevaux si vous roulez dans les champs avec cette machine en travaillant derrière. En faisant travailler derrière. Donc c'est vraiment compliqué, compliqué, compliqué. Donc là je suis en train de tester les véhicules. Bon intérieur et tout. Qu'est-ce qu'il me propose là? Est-ce qu'il y a une IC? Ou un petit bruit gentil. Feu arrière feu. Feu arrière. Ah mais oui, d'accord. Donc après, X. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on peut dire chez Normark, c'est les véhicules américains. Et j'adore ça. L, etc. Bon, voilà. Bah, il est un peu plus actif. Est-ce que. Il propose quoi d'autre? Non, mais bah après, c'est les fonctions de base. Ouais, il s'attache. Est-ce que. Donc lui il est bien. Donc je pense que lui on verra pour le prochain achat. On verra pour le prochain achat. Donc du coup oui. Donc en fait l'ETA devait travailler pour moi. Donc elles avaient des moissonneuses, il y avait des arracheuses à patates, betteraves, etc. Il y avait une machine à peler, etc. Parce que à la fois je leur donnais le grain pour fabriquer mes semences, etc. À la fois elle venait travailler dans mon champ, à la fois elle nourrissait les usines, donc c'était un peu compliqué. Alors lui j'aime bien les rétro-clientes, donc voilà. Je connais pas cette marque, donc ceux qui la connaissent. Ouh. Il y a 40 qui est animé ou pas?
que je vois qu'il y a le qu'il y a la barre de il y a le bord de transmission. Alors qu'après les configs, hein, là c'est de la location les gens, que je suis en autre cheat hein, pour tester des modes. Après donc on a N donc la vache. Waouh. X, je pense que la porte. L, c'est les sangles. Tuk, tuk et tuk. Le klaxon, c'est où? Ouais, moi c'est le klaxon de base. Bah la barre j'aime pas, je vais essayer de lire la barre. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, tout se passait bien. Au début j'étais fluide, hein, j'avais aucun mode. Ouais, j'avais aucun mode. Donc on va rendre tout ça. Donc j'avais aucun mode. Hein. Au début, mais après, quand j'ai voulu faire ça, donc plusieurs fermes, etc. Donc j'avais acheté un champ pour le TA pour. Parce qu'il faut savoir que où je les avais mis, c'était en face du BGA pour ceux qui sont sur Tatumbac. Et du coup, j'avais mis en face, il y avait un petit bâtiment avec un silo à côté. Donc j'ai vendu le silo, j'ai agrandi, j'ai acheté le terrain en face, je l'avais moissonné même et tout, j'avais agrandi. J'avais pas assez de place, j'ai pris le champ à côté. En théorie, je devais prendre l'autre à côté, mais après j'ai pris celui-là. Donc voilà. Donc du coup, il a fallu il n'y a pas un. Il n'y a pas un souci. J'ai rendu le véhicule. Voilà. Ah si, j'ai rendu. Donc on devait avoir une autre. On devait avoir une autre. Alors là, je suis en train de changer, vous inquiétez pas. Donc là, je continue à discuter. Alors j'espère que ce ne sera pas bugué. Donc c'était. Donc le TA était pas loin, était à 100 mètres de. D'avoir une. Comment ça s'appelle? D'avoir une. Qui veut bien? À 100 mètres d'avoir une. Des usines, etc. Donc c'était bien, donc elle rendait service à la ferme céréalière et élevage, parce qu'on devait faire que des vaches. Et à la fois elle s'occupait des machines. Alors désolé, hein, ça fige. C'est le changement. Comme j'ai pas mal de véhicules, etc. Le PC prend peu cher aussi. Donc voilà. Donc je continue à en parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc au début j'étais fluide. Petit à petit, je commençais à être moins en moins fluide, j'avais des coups de lag, etc. Jusqu'au jour où mon jeu s'est fermé et où des fois je faisais du 1 FPS. Donc injouable. J'ai même enlevé quelques bâtiments. J'ai fait 2-3 petites manips, c'était toujours pareil. J'ai dit laisse tomber, on va trouver une autre map. Donc entre-temps, j'ai trouvé une autre map. Donc j'ai trouvé. On va faire le foin. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris une autre map. Si, je l'avais vu le nom de la map là tout à l'heure. Je l'ai désinstallé. Le vieux blocage. Donc. J'ai regardé s'il y avait peut-être un endroit où pour mettre mon BGA et tout. Désolé, il fait nuit, s'il fait sombre. Donc il y avait mon BGA, etc. Je voulais mettre mon. Pas mon BGA, mon ETA. Voir un endroit si je pouvais mettre mon ETA. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose. Il n'y avait que la ferme des cochons qui était séparée de la ferme des moutons et des vaches. Des cochons et des vaches. Donc il y avait un petit endroit où on pouvait faire au moins quelque chose. Mais après c'était plutôt au niveau terrain pour placer certains bâtiments de production, c'est tout.
qui m'a posé un peu problème parce que c'est un peu du c'est vallonné mais t'as des arbres autour, c'est un peu compliqué. Et donc du coup voilà. Il faut savoir que les vaches, moi je vais pas faire de cochon, je vais faire que des vaches. Donc les vaches étaient indépendants, je voulais que les vaches, mais comme les cochons étaient avec, ben moi comme je voulais que les vaches, je voulais pas cette map là. Après j'aurais pu hein, pas m'occuper des vaches, m'occuper que des vaches et pas m'occuper des moutons. Hein. Mais bon c'était inaccessible, il y avait des zones, c'était un peu inaccessible, etc. Donc du coup j'ai décidé de trouver. J'ai décidé de trouver quelque chose. Donc du coup j'ai décidé de trouver une autre map. Et j'ai trouvé cette map grâce à Jeffitmar Farmer. Donc si il regarde ma vidéo, coucou à toi. N'hésite pas à commenter, je sais plus si c'était toi, je crois que c'était toi. Une map vallonnée. Alors pour certaines usines c'est très compliqué. D'accord. Donc du coup voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc du coup j'ai décidé de prendre cette map. Il l'avait présentée. Alors je sais plus si c'est lui, si c'est pas lui, si c'est lui qui regarde, si il regarde la vidéo et qu'il sait que c'est lui. Bah, comme j'ai dit, ben tu mets dans les commentaires, pas de soucis. Mais si c'est lui pas, si vous avez regardé ces vidéos, vous me dites si c'était bien lui qui avait présenté cette map. Une map vallonnée, qui était cool. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. Ça va être au niveau. Alors j'ai regardé, il y a plusieurs fermes, etc. C'est cool. On peut jouer en multi comme ça tombe back. Le souci qu'il y a, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a? Le souci, c'est que là, je suis en train de regarder. Ouais, c'est tout bon, il manquera du diesel, mais bon, il faudrait que m'installe. Production de diesel. Désolé, il y a un petit coup de lag, hein. Là on est dans la zone de l'industrie que je me suis fait peur. Du coup, voilà. Donc du coup, cette map, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Je pense qu'il y en a qui jouent dessus, donc ils vont vite la reconnaître. Voilà. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc aussi, donc là la machine elle repart. Donc du coup, je sens. Moi j'ai cette capacité. Ah ouais mais j'ai plus de paille. Ah ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai décidé d'aller sur cette map. Donc pour le prochain. Donc là je vais tourner mes vidéos en avance. Donc il y aura donc celle-ci où je vous parle. Désolé je suis un peu longue. La vidéo sera un peu longue. Donc du coup la première vidéo donc après celle-ci, ça sera donc sur la map. On jouera avec les véhicules de base. Donc le matériel de base qu'on aura. Et petit à petit je rajouterai des mods. Bah, petit à petit je mettrai des mods pour ce qui est. Parce qu'au début on va être sur la map de base, voilà. Avec les modes, avec les véhicules de base, etc. sur cette map. Et petit à petit,
On rajoutera les véhicules modés, vous inquiétez pas. Est-ce que ça sera cheaté ou non cheaté? Je verrai bien. Pour ce qui est aussi pour le TA, oui, ce que je vais essayer de voir s'il n'y a pas un endroit dans la map où je peux mettre des véhicules de TA. On verra bien s'il y aura ETA ou pas ETA qui va travailler pour nous. Et on regardera si je peux mettre quelques véhicules, quelques bâtiments plaçables. Désolé, hein, c'est ma première vidéo après de moi. Parce que le problème, quand c'est vallonné, ça va être un petit peu compliqué. Mais on verra bien. Donc voilà. Aussi, au sujet des vidéos. Donc là, je tourne en avance des vidéos. Là, en ce moment, comme je vous dis, j'ai toujours pas trouvé de boulot. Mais je me suis trouvé une bonne petite voiture très intéressante. Bref, je sais pas, voilà. Une bonne petite voiture. Hein, comme j'ai encore changé de permis. Donc voilà. Et puis là je suis en train de chercher du boulot. Donc pour l'instant, pour les vidéos, on va faire comme ça. Une vidéo par semaine. Dès que je reprendrai dès que je trouverai du boulot, que je commencerai, vous verrez que les vidéos sont pas réguliers. Donc je pensais faire le week-end et d'en tourner en avance, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais mettre des sous de côté, moi de mon côté, quand j'aurai trouvé du boulot, et m'acheter un PC un peu plus puissant. Garder celui où je vous tourne en ce moment la vidéo, qui est une petite config, lui je le mettrai en PC de stream pour regarder les messages que vous mettez en stream, parce que oui je vais reprendre les streams, mais pas tout de suite, pas cette année, peut-être l'année prochaine, on verra bien. Mais ça sera différent. Quand je dis c'est différent, c'est-à-dire que les lives qui seront, donc c'est pour ça que vous verrez la vidéo ATS, que oui, il faut que je vous en tourne une vidéo ATS pour vous expliquer un peu un truc sur ATS et ETS. Donc c'est pour ça que je vais faire sur ATS, ça changera des ETS, d'accord? Puis ça fait longtemps, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai tourné la première vidéo ATS sur cette chaîne, donc voilà. Donc il n'y aura que des streams, donc. Il n'y aura que des streams, il y aura encore des vidéos qui vont arriver, parce qu'il faut finir le stockage de vidéos que j'ai fait. Et dès qu'il n'y aura plus de vidéos, bah, il n'y aura que des lives. Bon, il y aura des lives, mais en même temps, il y aura des vidéos qui continueront de sortir, parce que ça sera des vidéos que j'ai tournées en avance, etc. Et les lives, ça va être très simple. Donc les lives, ça va être clair et net. Si jamais il y a un nouveau farming qui sort, les lives se feront sur ma partie perso. Donc il n'y aura pas d'autres maps, etc. et tout. Donc ça sera sur ma partie perso. D'accord? Solo, tranquillou. Et puis pour ce qui est d'ETS et ATS, ce sera sur un autre truc, mais ça je vous expliquerai sur la vidéo. ATS. N'hésitez pas, dès que vous la verrez, à le regarder. Pourquoi je dis un peu spécial? Ça sera un peu spécial, vous allez voir. Donc voilà. Donc du coup, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié un truc, on verra bien. Donc voilà. Pour la vidéo d'ATS, vous verrez bien pour le de quoi je parle, d'accord? Là, je vous dis un petit peu, mais vous verrez quand la vidéo sortira d'ATS, faut que je la fasse. Ne vous inquiétez pas, elle sera en multi. Ça, c'est sûr, voilà. Un peu différente, vous allez voir. Voilà. Voilà un peu pour ce qui est des lives. Oui, je vais reprendre, mais ça sera quand j'aurai du matériel un peu plus convenable, que je pourrai faire des streams. J'espère que ma box va pas encore déconner comme la dernière fois que j'ai fait un live musique. Oui, parce que je fais des lives musique sur notre chaîne, n'hésitez pas à la voir. Donc voilà. Donc on verra bien, sinon voilà. Donc voilà, mais ça sera sur ma partie perso pour les lives, ce sera plus en partie différente. Et pour ce qui est du matériel, ce qui est pour ce qui est des autres jeux, on les fera aussi en stream. Comme ça évitera de faire maintenant des montages. Parce que c'est pas que c'est long, mais comme ça prend un peu de temps, ben, entre le montage, entre faire la vidéo, le montage, l'encodage et publier la vidéo, voilà, moi ça me prend environ 4 jours. Alors 4 jours, parce que moi je fais une étape par une étape. Hein. Premier jour, je fais la vidéo. Deuxième jour, je fais le montage de la vidéo. Troisième jour, je fais l'encodage. Et quatrième jour, je publie la vidéo. Donc ça prend mon PC, c'est un peu compliqué. Alors que là, les streams, c'est direct. On fait 3 heures de direct.
On est tranquille, on s'amuse, on déconne, et puis voilà. Puis wali walou. Donc voilà. Donc pour sur ce, j'espère que si vous êtes resté là, vous êtes resté sur cette vidéo jusqu'à la fin, c'est cool. Aussi, j'espère que, j'ai oublié, hein, mais comme la vidéo sortira le 3, j'espère que vos. Ah ouh, 25 minutes de vidéo, oula, je regardais le truc. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, même si ça dure 3 jours. Même si ça fait 3 jours que la vidéo sera sortie, hein, après avoir rentré à l'école ou au collège ou autre. Voilà. Donc sur ce, on va cesser là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas sur tout ce qui est de description. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, disliker. Ça, j'ai perdu mes habitudes, mais il faut que je reprenne la main. Voilà. Donc moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous fais. Je vous dis bye bye.